Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je commence cette vidéo en faisant un petit aller-retour à la plage. Je sais pas si vous m'entendrez bien avec le vent. J'habite pas très loin de Veules-les-Roses, pour ceux qui connaissent. Et donc du coup, on a fait l'aller-retour là aujourd'hui. Juste au moins se balader, voir un petit peu la mer et puis faire autre chose que de rester à la maison. Donc je vous ai filmé un peu ça, mais ça fait vraiment du bien. Après, il fait pas très chaud, il y a un petit vent, mais rien de grave quoi, mais ça fait trop du bien. C'est trop mignon ici. C'est trop trop mignon avec la rivière juste en dessous. Trop chou. C'est mon endroit préféré ici. De tout le monde. Non, ça ira. Ça, c'est exactement le genre de maison que j'adore. On va juste refaire la peinture du grillage, mais c'est super beau. J'aime trop. Et coucou! Alors, contexte très particulier. Hier, on était à Veules-les-Roses et en fait, on a décidé qu'on allait aller à Limoges. En fait, on doit aller à Limoges pour aller récupérer quelque chose que vous aurez très vite. Mais on s'est dit qu'on n'allait pas faire l'aller-retour, faire les 5 heures de route aller tout de suite le retour. Donc, on s'est dit qu'on allait dormir directement sur place avec ma jumelle qui est juste là. Donc là, on va à Limoges, on est tranquillement sur l'autoroute, il n'y a personne, donc c'est super agréable pour conduire. J'ai conduit moi ce matin et puis là du coup j'ai passé le volant à ma sœur. Et j'ai la trace des lunettes de soleil. Et puis on va profiter un petit peu, on va aller visiter. Je me dis que c'est plus intelligent que de faire l'aller-retour et pouvoir visiter un peu une ville où on n'a jamais été quoi. Donc voilà. Et puis là il nous reste combien de temps de route? 2 heures? 1 heure et demie? Ouais, quelque chose comme ça. Je sais pas si on va manger sur la route parce que je commence déjà à avoir faim, il est bientôt midi, ou si on mange directement à Limoges, enfin on verra. Mais de toute façon, je vous montre tout ça. C'est que ça filmait. Bon, du coup, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute, on va aller se prendre à manger parce qu'on a trop faim, et puis on va manger dans la voiture. On fait réchauffer dedans, et puis on mange dans la voiture parce que trop trop faim. On est parti, il était 6h30. Non, je t'ai récupéré à 7h, toi, et puis moi je suis partie à 6h30, donc j'ai trop faim, donc on va manger. Non, mais tu veux quoi là? Carbo, mais en gros, carbonara. Extrême. C'est plus gros, non? Ouais, c'est plus gros. Du coup, pasta box dans la voiture, et puis on s'est pris des petits chips, alors je vais vous montrer. Je connaissais pas du tout. Après, les chips d'origine. Oui, j'ai pris. Ben attends, c'était les moins chers. Hein. C'était les moins chers de tous, et c'était des chips à l'huile d'olive. On verra bien. Ce qui est bien en fait aussi, quand on est que toutes les deux avec ma soeur, parce qu'on se voit pas tout le temps, c'est qu'on rigole bien. Là, on est en train de se faire des vieux disques, tu vois, dans ma voiture. J'ai des vieux disques de énergie, j'ai du 2009, du 2014 et tout. Donc on se fait des vieux titres, on chante à fond, genre du Sheriff Aluna, le truc qui date et elle n'existe même plus. Voilà. J'étais en train de me dire que j'étais complètement stupide parce que j'ai oublié le micro dans la voiture. N'importe quoi. Là, on se balade, on cherche le centre. Parce que, je vous ai pas dit, on est arrivé à Limoges. En fait, à l'entrée de Limoges, je trouvais ça pas très très joli. Je me disais, ouais, bof. Et en fait, là, on cherche le centre-ville et c'est de plus en plus mignon. Vous voyez, c'est un peu typique. C'est un peu mignon. Bon, on cherche, hein. De toute façon, je vous montrerai. On va aller voir la vue, mais on va monter là-bas. Ça peut être plus sympa. Mais je crois qu'on a vu que le centre-ville et là-haut on a la cathédrale. Du coup on est monté en haut, je vais vous montrer, c'est trop mignon ici. On a grimpé et on a tout le jardin juste là. Là je sais pas ce que c'est peut-être l'hôtel de ville, j'en ai aucune idée. On va aller voir la vue là-bas. On a marché un tout petit peu, mais on a trouvé rapidement le centre et les jolis endroits. Et c'est très choubidou. Regardez, vous voyez, c'est trop mignon, ça fait vraiment un jardin...
Un jardin super joli et c'est pas mal entretenu. Enfin, je sais pas comment c'est d'habitude, mais c'est super mignon. You're the reason that I just can't concentrate. I should try to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken, yeah. Lie, 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 lie. I try to hide, but now you know it. That I'm at an all-time low, 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 low. Bon, on vient de récupérer les clés. J'espère que... Non, je te parle pas. On vient de récupérer les clés, puisqu'on avait rendez-vous à 15h pour récupérer les clés de notre Airbnb. Alors, c'est trop chou, je vous montrerai après. Mais là, on va retourner à la voiture parce que j'aimerais aller visiter, vous savez, les ponts sur la Vienne. C'est un truc à faire, c'est au patrimoine, donc je sais pas si je reviendrai un jour sur Limoges, donc autant les voir maintenant. Donc on va faire ça, on va chercher la voiture, on voit ça, et puis quand on rentre, je vous montre l'appart. Mais c'est franchement trop chou, quoi. Bon, du coup, je vais vous montrer l'appartement. Quand on rentre, en fait, on tombe direct dans la cuisine que je trouve trop choupi avec des fleurs séchées. Et en fait, de l'autre côté, vous avez une verrière. Donc, on voit là-bas. Coucou. Et donc, elle nous avait mis des petites dosettes de café, de thé, etc. Donc là, on a la verrière. Ma sœur qui est couchée. On passe ici. Donc là, on a de quoi dormir. Et on a cette super jolie table, toujours avec des fleurs séchées. Je trouve que ça fait très mimi. Après, c'est très girly, hein. C'est très rose. Donc, la verrière. La fenêtre qui donne sur la rue, bon, on s'en fiche. Et puis là, on a ce côté-là, l'espèce de coiffeuse. Et là, j'ai vu qu'il y avait des livres. Donc, j'ai déjà celui-ci, je l'ai chez moi. Mais les autres, je me suis dit que j'allais pouvoir feuilleter ça ce soir. C'est très mimi. Du coup, ce soir, on va se commander des pokés. Parce que j'ai ma soeur qui voulait commander ça ce soir. Donc, on va commander pokés. Et puis, voilà. Du coup, voici ce qu'on mange ce soir. On a commandé des pokés, comme je vous disais. Et on s'est pris des petits sushis en plus. Merci, super, parce qu'on n'avait pas de serviettes. Et puis pour les sushis, on va faire moitié-moitié. Bon, j'ai pas mon micro. Là, normalement, vous m'entendrez mieux, j'ai mis le micro. On va y aller. On avait réservé que pour cette nuit l'appartement. Franchement, Limoges, c'est vraiment mignon. On s'est fait la réflexion que c'était vachement propre, que c'était une super grande ville. En fait, on s'attendait pas du tout à ce que ce soit aussi mignon. Hein? Oui. On s'attendait vraiment pas à quelque chose d'aussi mignon. On s'attendait à un petit bourg, enfin un tout petit. Donc là, on va y aller. On va aller chercher le petit déj. J'ai fait 2-3 boulangeries, mais évidemment, moi, comme je suis pas du coin, elles étaient toutes fermées. Donc on va se trouver une boulangerie et puis on va petit déj et puis on va y aller. On doit aller chercher ce pourquoi on est venu. Vous le saurez très très vite. Et puis peut-être qu'on se reverra plus tard dans la journée, ou sinon je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.